costume de Peppa Pig. Comment je vais choisir si vous voulez tous être Peppa Pig? Très bien, les bébés. Celui qui tirera la tige la plus longue sera le premier à choisir son costume. À ton tour, Théo. Hein? Oh, Théo, je suis désolée que tu sois triste, mais tu pourras être Peppa la prochaine fois. Allez, Théo et Lulu, vous allez être un ninja et un papillon. On va bien s'amuser. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être amusant. Hein? Je me demande où sont passés Théo et Lulu. C'est étrange. On devrait peut-être aller les chercher. On s'amuserait encore plus si on jouait tous ensemble avec nos costumes. Quelque part. Que Charlie ait besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. En avant toutes. Toboggan en plein ciel. Fantastique. Les bébés, vous allez déchirer le costume. Il faut partager. Peppa Pig, j'adore Peppa Pig. Regardez, je suis Peppa. Maintenant, les Glopixies vont faire des flags un peu différentes. Des flags à paillettes. Coucou, c'est moi, ta copine Charlie. Est-ce que tu as vu où Gigi a caché le costume de Peppa Pig? Regarde une nouvelle fois et essaie de le trouver. Tenez bon, les bébés. Préparez-vous pour le grand tourbillon. J'ai trouvé.
Heureusement, vous allez bien, les bébés. Accrochez-vous, je vais nous faire descendre. Oh non, nous voilà coincés. Et ces branches ne tiendront pas longtemps. Pixies, au secours! Coucou, coucou, bulle de soleil, tu adores vraiment. Caca, j'ai fini. Bulle, je reviens tout de suite. Il faut juste que j'aide Prune avec son caca. Phew, s'occuper de deux bébés demande beaucoup de travail. Je me demande ce que sont en train de faire Sienna et Gigi à la réunion des chefs Prometheus Pixie. Je suis sûre qu'elle travaille tout autant. Ça va être intéressant. Le devoir nous appelle, Mini Glopixies. Nous sommes une équipe maintenant. Nous devons aller aider Charlie et les bébés. Waouh! Vous ressemblez aux guirlandes de Noël les plus tristes que j'ai jamais vues. Oui, vous avez raison. Je vais me contenter de vous faire descendre. Je m'en occupe. Bulle, Prune, restez ici. Je reviens tout de suite. Super! C'est comme ça qu'on... Oh non, Charlie, les bébés, savez-vous où sont passées Bulle et Prune? Aujourd'hui. Et devinez quoi? Lulu a perdu son gant. Avez-vous vu où il est tombé? Regardons ensemble une nouvelle fois et voyons si nous pouvons le retrouver. C'est parti! Ressemble au Père Noël. Ça me donne une idée. Repose-toi bien, Lulu. Bonne nuit, Théo. Le marchand de sable va bientôt passer. Faites de beaux rêves, les bébés. Une super surprise vous attend à votre réveil. Ho, ho, ho! Prêt pour les vacances? Ho, ho, ho! Oui! Ceux-là sont pour Lulu, Théo et Tilly. Qu'est-ce qui ne va pas, les bébés? Regardez, des cadeaux! Les bébés, que se passe-t-il? Vous adorez les cadeaux? Je sais que tu as été sage cette année, Théo. Dis au Père Noël ce qui te ferait plaisir. Aidez-moi à mettre les lumières sur le sapin, les bébés. Vive le vent. Vive le vent. Qui s'en va. Je dois me rendre à l'évidence. Personne ne s'amuse à ma fête de Noël. Qu'est-ce que je fais de travers? Comme ça. Juste un peu plus bas, Gigi. Ah,
secours de Charlie. Elle a besoin de nous. Ah, ah non, pas toi aussi. Oh, c'est toi, Charlie. Je ne t'avais pas reconnu sous ta grande barbe. C'est ça. Peut-être que les bébés ne me reconnaissent pas sous mon déguisement. Les bébés, regardez, c'est moi. Oh, regarde. Ces décorations devraient aller sur l'arbre. Flo Pixies. Pardon, Bert, ça m'arrive à chaque fois. Alors que la peur commence. Bienvenue à la fête, mesdemoiselles et messieurs. Venez les bébés, que la fête commence. Et maintenant, les bébés, c'est l'heure du plus important des jeux d'Halloween. Des bonbons ou un sort? Pour jouer à des bonbons ou un sort, on a besoin de trois choses. Premièrement, un déguisement. Deuxièmement, un seau. Et troisièmement, une porte à laquelle frapper en criant « Des bonbons ou un sort ». Les bébés, il vous suffit d'aller frapper à cette porte en criant « Des bonbons ou un sort » pour recevoir un bonbon. Candy. Ouais. Allez, Lulu, essaie pour voir. Des bonbons ou un sort. Oh, voilà une belle licorne. Tiens. Oh. Bon ou un four. Ça alors, c'est Peppa Pig. Voilà pour toi. Oui. Papa, où très bien, les bébés. C'est fini maintenant. Je n'ai plus de bonbons. Donc, le jeu est terminé pour cette année. Désolé, petit Power Rangers, mais je n'ai plus de bonbons. Gardez votre calme. Flo Pixies, au secours. Flo Pixies, au secours. Oh, je vous ai presque eu. Bien joué, Samy. Tu nous as vraiment fait peur. Vous avez entendu Charlie? On ferait mieux d'y aller? Oui. Ouh, qui sait ce qui peut se passer le jour d'Halloween? Heureusement que vous êtes là, les Glow Pixies. Ces bébés veulent seulement jouer à des bonbons ou un sort, mais je n'ai plus de bonbons. Plus de bonbons? Le jour d'Halloween? Ce n'est pas possible! Vous pensez à la même chose que moi?
plus bel arbre à bonbons qu'on ait jamais fait, Glopixies. Je crois que rien ne peut arrêter ces bébés de jouer à des bonbons ou un sort. Faites de beaux rêves, les bébés. N'ayez pas peur, les enfants. Ce n'est que moi, Charlie. J'ai besoin de votre aide. Vous vous souvenez de ce que Théo a fait tomber quand il m'a vu pour la première fois déguisé en Dracula? Revoyons-le pour essayer de le découvrir. Prêt? Allons-y! Dans le congélateur et régler la minuterie. Oh, c'est gentil. Un câlin pour tout le monde. Oh. On est coincé. Glopixies, au secours! Je me demande comment Charlie et les bébés s'en sortent. Glopixies, au secours! Je dirais que ça ne va pas très bien. Allez, Glopixies! C'est notre moment de gloire! Leader! On arrive pour vous aider! Et maintenant, je suis coincée. C'est terrible. Pastèque, ma préférée. Concentre-toi, Gigi. D'abord, nous devons décoller Charlie et les bébés et les rafraîchir. Et si... Oh, oh, oh! Fais le truc des flocons de neige. C'est si beau. Je m'en occupe. Timing parfait, Glopixies. Un timing parfait, pourquoi? Friandise glacée. Oh, regarde. La mienne est une sucette. Quoi? C'est délicieux. Ha 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 ha
votre pote, Charlie. Vous vous demandez si vous pouvez m'aider? Lulu a perdu son petit mouchoir. Vous l'avez vu? Cherchez encore. Et regardez si vous le trouvez pour moi. Merci les enfants. À ramper, d'accord? Bon, maintenant, on change. Les cloches d'abord, et ensuite ce sera ton tour. D'accord, Lulu? Lulu? Où est-elle allée? Tu as vu où elle est allée, Tilly? Théo, tu l'as vue? Ok, ne paniquons pas. Elle doit être ici, quelque part. Alors, les bébés, vous l'avez trouvée? Chose de terrible était arrivé. Glopixis, au secours! Un Glopixie, 1, 2, 3, c'est tellement Pixie! Côté droit, en haut et à l'envers. Le Pixie le plus cool de la ville. Pixie, au secours! Je pense que tu l'aurais eu cette fois-là, Gigi. Ouf, maintenant nous ne nous saurons jamais avec certitude. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que Charlie a besoin de nous. Allez, Glopixis! Tourbillon plastique! Charlie? Une minute, elle tirait sur les cloches. Et la minute suivante, elle était partie. Attends. Qui est partie? Lulu! Lulu a disparu! Ok, Glopixis, dispersez-vous. Ne t'inquiète pas, Charlie, nous la trouverons. N'est pas là? Tu as dit qu'elle avait une clochette, n'est-ce pas, Charlie? Oui. C'est ça, Sammy. La clochette. Peut-être que si nous sommes vraiment silencieux, nous pourrons l'entendre. Je l'entends! Par ici! Dieu merci, tu vas bien. Comment es-tu arrivée ici? Je dirais qu'elle a probablement rampé. Je veux dire. Hein? Qui sait comment elle est arrivée ici? Eh bien, il nous reste un peu de temps de musique. Si on jouait tous ensemble. Oui! Coucou, je te vois. Tu n'as pas
as vu mon tambourin par hasard, non? Je l'ai mis quelque part et je ne m'en souviens plus. Tu ne te rappelles pas qui l'avait en dernier? Retournons-y et revenons sur nos pas. Oh non! Attention! J'espère qu'elle ne s'est pas cognée contre la... Oh, vitre! Regardez les bébés! Ce n'est pas une luciole! C'est une Glopixie mini! Pauvre petite! Elle est toute seule! On doit s'occuper d'elle! Tada! Oh, un lit parfait pour une petite Glopixie mini! Vous êtes si gentils, les bébés! Gentille petite, veuille rester avec nous. C'est ça! Oh non! C'est la sirène Pixie perdue! Une Glopixie mini est manquante! Elle pourrait être en terrible danger! Allez, tout le monde, il est temps de se préparer pour dormir. Changeons ses couches. Oh oh, vous savez ce que ça veut dire. Je te vois, Théo. Allez, Théo, je te promets que tu te sentiras mieux avec une couche propre. Ce n'est pas si mal. Une fois, dans un pays plein de paillettes et de magie. Et dans son œuf, il y avait un adorable bébé dinosaure. Oh! Oh! Eh bien, c'est différent. Oui, c'est tellement amusant. C'était vraiment Charlie. Et on aurait dit qu'il avait vu quelque chose de très mignon. Les Glopixie Mini sont super mignons. Peut-être que Charlie et les bébés ont vu la mini Pixie disparue. Dépêche-toi, on doit vérifier. Je dois la trouver, a dit la maman dinosaure, alors qu'elle volait partout à la recherche de son petit bébé dinosaure. Regarde, dit la maman dinosaure. Voilà mon bébé, juste ici. Le monde, on ne voulait pas vous surprendre. Nous avons cherché partout une mini Pixie perdue. L'avez-vous? Te voilà. Merci, scintillante. Et on dirait que Charlie et les bébés ont très bien pris soin de vous. Et après avoir trouvé son bébé dinosaure, la maman et le bébé vécurent. Jamais. Il est temps de te ramener à la maison, Pixie. Hey, est-ce que quelqu'un a vu où j'ai laissé tomber la couche de Théo? Je ferais mieux de la trouver avant que maman ne le fasse. Allez. Et devinez qui vient jouer avec nous aujourd'hui.
Les Glow Pixies. Lulu, tiens, c'est bien plus doux qu'une feuille. Charlie. Oh là là, tu es brûlante, Lulu. Toutes les deux, vous pouvez surveiller Théo et Tilly pendant que Gigi et moi amenons Lulu à la station médicale. Tout me paraît normal. À moi aussi. Oh, regardez-moi ces os solides. Mais d'où peut venir le problème? On devrait peut-être prendre sa température. Elle a l'air d'avoir un peu de fièvre. Lulu a de la température. Je vais chercher des médicaments. Oh oh, je ne crois pas que ça soit juste de la fièvre. Oh ah, je connais ces boutons rouges. Ça s'appelle la paricelle ou la maricelle ou... quelque chose comme ça. Comment peut-on les aider, Glow Pixies? Je reviens tout de suite. Je sais ce qu'il nous faut. Portail cœur enchanté. Paillette Rama. Essayez de ne pas vous gratter, les bébés. Oh non, ça nous démange tout. Mais au moins, on n'a pas la... Berk, vous avez des boutons rouges aussi? Oh non, on a tous la jaricelle. Ne vous en faites pas, j'ai la solution. Merci, Samy. Ça va beaucoup mieux. Au moins, tu n'as pas... Quoi? J'ai quelque chose entre les dents? On dirait que je fais partie de la bande, maintenant. Laisse-moi t'aider, Samy. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Je crois que Tilly aimerait lire un livre. Qu'est-ce que vous en dites? Le brontosaure a le plus long cou de tous. Coucou, les enfants! Vous vous rappelez ce que Samy a dû déplacer pour trouver ses stickers spéciales démangeaisons? Vous vous en souvenez? Revenons en arrière et regardons. C'est parti! Et celui de Théo? Doucement, Théo. Sois patient, s'il te plaît. Et enfin... le délicieux déjeuner de Gigi. Voilà, Tilly. Tu vois, maintenant, rien ne se touche. Mieux? Non? Et si on faisait ça? Les haricots verts? C'est ça? Oui! Haricots verts! Je reviens tout de suite! Je comprends. Tu veux que je les coupe pour toi?
Je suis désolée, Tilly, je ne comprends pas. Comment puis-je t'aider? Les haricots verts sont délicieux. Tilly, ce n'est pas comme ça que nous mangeons. Pas toi aussi, Théo. On n'écrase pas. Lulu, on ne jette pas la nourriture. Pixies, au secours! Regardez ces beautés bleues en fleurs. Violet, 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 oh, ma préférée. Jamais un rose n'a été plus parfaitement rose. Glopixies, au secours! Maintenant, nous pouvons aider nos amis avec du style. Allez, Glopixies, pas de temps à perdre. Charlie, par ici! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu la salle de jeu comme ça! Tilly avait de la nourriture verte dans son assiette! La nourriture verte lui fait peur! Bien sûr! Comment ai-je pu oublier ça? S'occuper de trois bébés est un travail difficile, Charlie. C'est difficile de se souvenir de tout. On va s'en occuper, pas de problème. J'ai une super idée. Jeter son gobelet? J'ai vraiment besoin de le trouver. Retournons-y et jetons un coup d'œil. Soyez sages. Oh non! Je ne suis partie que quelques secondes. Lulu, Théo n'est pas un chiot. Théo, reviens ici. Je dois te le dire. Pas d'explosion. Pas de gâteau des anges. Glopixies, au secours. Maintenant, Daisy descend lentement de Pixie Plain. Glopixies, au secours. Il n'y a qu'une fille qui peut crier comme ça. Charlie. Mettez vos chaussures. Plus rapidement. Allons aider nos amis. Arc-en-ciel ici. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie? J'arrive tout de suite. Tout ce que je voulais, c'était que Théo ait le meilleur anniversaire possible. Mais regardez, maintenant, tout est fichu. Presque. Je m'en occupe.
Ne t'inquiète pas, Charlie. J'ai une idée géniale. On essaie encore une fois. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Théo. Théo. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse, les bébés. On devrait être gentils les uns envers les autres tous les jours, mais encore plus aujourd'hui. Est-ce que vous aimez mon vase, les bébés? Je l'ai fait hier à l'atelier poterie. Wow! Attention, Lulu! Ça a l'air d'être un jeu amusant, hein? Non! Non, non! Voyons voir si je peux en trouver d'autres. Maintenant, on peut jouer tous ensemble! Tu vois? Comme ça, Tilly. Essaie de la faire rebondir lentement. Non! Non! Tu vas y arriver, Tilly. Tout ce travail difficile mérite bien un goûter. Je reviens tout de suite, les bébés. Continuez à vous entraîner. Comme neuf. Mais comment êtes-vous arrivé là?
Je pense que c'est plus sûr de les garder ici pour le moment. Salut les enfants, c'est moi Charlie. Mon joli Vaz et moi avons une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur des fleurs dans cet épisode? Moi non plus. Eh bien, regardons-le à nouveau pour voir si on peut les trouver. C'est parti! Oh, pauvre Lulu. Tu attrapes tous les rubes, n'est-ce pas? Tu n'as pas de température. Je pense que c'est... Achou! Juste un mauvais rhume. Putain! Oh, c'est gentil, Tilly. Regarde, Lulu. Tilly t'a apporté tous tes doudours préférés. Mouah! Que dirais-tu d'une délicieuse soupe, Lulu? Je suis sûre que ça te ferait du bien, hein? Je vais la mettre dans ton bol spécial. Théo, Tilly, surveillez Lulu pour moi. Oh, voici la soupe. Lulu? Théo? Où sont-ils allés, Tilly? En haut? En haut où? Glopixis! Au secours! Accrochez-vous à vos barrettes, Glopixies! Tes amis ont besoin de notre aide! La température de Lulu avec cette chose spéciale qu'on appelle un thermomètre, eh bien maintenant, il a disparu. Vous souvenez-vous où je l'ai mis? Peut-être que si nous cherchons encore, nous le trouverons. Allez! Est-ce que tout le monde est prêt à aller à l'école? Bonne journée, les bébés! Premier jour d'école. Je m'appelle Charlie et je serai votre maîtresse aujourd'hui. Chut! Aujourd'hui, nous allons faire des activités très amusantes. Qui veut commencer? Hein? Oh.
Très bien, les bébés, montrez-moi vos peintures. Les accidents, ça arrive. Pas vrai, Tilly? Pas vrai, Lulu? Oh, que c'est mignon! Il ne reste plus qu'un tout petit problème. Je m'en occupe, Sienna. Faisons briller cette pièce! Tu viens, tu retourneras. C'est l'heure du ménage. Eh bien, c'était un sacré premier jour d'école, vous ne trouvez pas? Les bébés, regardez ces magnifiques peintures. Vous pouvez être très fiers. Je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Je crois que tu as raison, Samy. Et je sais exactement quoi. Maintenant, c'est parfait! Salut! J'ai vraiment besoin de toi. Tu pourrais m'aider? Super! Tu te souviens quand Lulu a utilisé ses empreintes de main pour dessiner un animal? Te rappelles-tu lequel c'était? Non? Alors regardons à nouveau cet épisode ensemble pour le découvrir! Ah! Elle fait très peur, Lulu! Qu'en penses-tu, Tilly? C'est vrai qu'elle fait un peu peur, mais ce n'est qu'une citrouille. Allez, viens, ça va aller. Et maintenant, le meilleur moment. Illuminons nos citrouilles pour voir leur sourire briller. Oh, il faut être dans le noir pour voir la lumière dans nos citrouilles, Tilly. Tilly, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, je te le promets. Tu ne le savais même pas. Lola.
Y avoir une lampe de poche quelque part. Haha, je suis tombée à pic les Glopixies. Ne t'inquiète pas, Tilly. Tu vois, c'est juste Charlie. Tilly, on sait que tu n'aimes pas tellement l'obscurité. Mais peux-tu nous faire confiance juste une minute? Tu vois, Tilly, l'obscurité ne fait pas forcément peur. C'est même parfois très amusant. Charlie a raison et nous allons le prouver. J'ai une super idée. Tu comprends? Aidez-moi, Glopixies! Lulu pleure et pleure! Je ne comprends pas ce qui ne va pas! Alors ça, c'est vraiment une odeur horrible! Mille papillons! J'ai déjà senti cette puanteur! Mmh.
Je pense qu'on devrait vérifier la couche de Lulu. La couche? Mais oui! Bonne idée, Gigi! Prête? Prête! Oh oui! Cela est extra puante aujourd'hui, Lulu! Ne t'inquiète pas, Lulu! On va tout arranger! Bien, Glopixies, vous nous avez encore sauvés aujourd'hui. J'aimerais aussi pouvoir faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a peut-être quelque chose. Encore moi, Charlie. Mais cette fois, j'ai perdu mon seau. Il était sur la tête de Théo, mais maintenant, je ne me souviens plus où je l'ai mis. Tu veux bien regarder encore et voir si tu peux m'aider à le trouver ?